le badge RS est devenu une véritable légende chez Ford. Et cette Focus 2016 ne déroge pas à la règle en étant le 30e modèle à en être affublé. L'innove, toutefois, avec un moteur de 3 EcoBoost suralimenté, développant 350 chevaux et 440 Nm de couple, voire 470 en actionnant la fonction Overboost. Mais la grande nouveauté de cette Focus RS, c'est sa transmission intégrale. Les dynamiciens de Ford ont fait en sorte que la transmission intégrale puisse reporter 70% de la puissance sur les roues arrière et jusqu'à 90% sur une des deux roues arrière, de sorte à rendre le comportement véritablement grisant. Rapide, facile, amusante, équilibrée, cette Focus RS permet véritablement de jouer au pilote et même, en engageant le mode drift, de se prendre pour Ken Block. La Focus RS a-t-elle des défauts? Oui, malheureusement. Les sièges baquets signés Rare Caro sont remarquables mais installent le conducteur un peu trop haut. L'habitacle pourrait être un peu plus soigné, un peu plus identifié. RS, je le trouve trop proche de celui d'une Focus conventionnelle. Le poids, 100 kg de moins, rendrait la dynamique du châssis littéralement fantastique. Et enfin, le rayon de braquage est colossal. La Focus RS est un engin remarquable, grisant, amusant, disponible déjà pour un peu moins de 40 000 euros. Dépêchez-vous, les carnets de commandes sont pleins.